Bonjour YouTube, bonsoir, bonjour, bonjour à vous le chat, vous qui pouvez parler sur la gauche de votre écran, bienvenue à tous, vous êtes dans une review de manga, nous allons parler aujourd'hui de Democracia. Hello YouTube, soyez sages, bienvenue, je le rappelle, c'est une review qui est sur la chaîne Rivière d'Acide sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne incroyable, où il y a plein de bonnes personnes, ça se voit tout en bas à droite. Et vous pouvez suivre leurs commentaires en direct. On vaut mieux que vous, un peu. Surtout que depuis quelques instants, depuis quelques jours, le son est beaucoup amélioré grâce au bouton magique que j'avais pas vu. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Democracia, une œuvre de Motoro Masse, évidemment, qui a créé aussi Ikigami. Je ne vous en dis pas plus, puisque FC Twitch, vous avez le droit, évidemment, à voir la présentation en avance. Pas de spoil, vous inquiétez pas, c'est une review garantie sans spoil. Il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer d'être concis, donc ça va évidemment durer 20 à 30 minutes. Mais, allez, je vous lance la présentation et c'est parti ! Democracia est un manga de Masae Motoro édité chez nous chez Kaze, c'est une série déjà disponible et terminée en 5 tomes. Fruit de l'émulation entre Takuma Aizawa, élève en ingénierie, et Hisashi Iguma, spécialiste en robotique, le concept de Democracia semble révolutionnaire. 3000 personnes, recrutées au hasard sur le web, décideront à la majorité via un réseau social des faits et gestes de Mai. Ce robot d'apparence féminine pourrait ainsi devenir le creuset d'un savoir collectif, la convergence de 3000 intelligences. Mais l'expérience pourrait aussi révéler qu'à l'épreuve du monde réel, démocratie n'est pas toujours synonyme de raison. Et voilà, aujourd'hui on va parler de la démocratie. Alors évidemment, vous le savez, dans le chat, il n'y en a pas. La seule démocratie qu'il y a, c'est celle que je fais. Donc il y a évidemment une dictature ici. Mais on va voir, grâce à ce manga, alors on va pas évidemment voir tous les aspects de la démocratie, mais on va voir si la démocratie fait de bonnes ou de mauvaises choses quand elle est donnée, dictature d'acide évidemment, quand elle est donnée par des gens lambda, puisque évidemment il y a ce côté hasardeux qui est propre à la démocratie grecque, puisqu'il y avait beaucoup de Grecs qui avaient le hasard, les grands politiques étaient choisis aussi par hasard, mais aussi on pouvait se le permettre puisqu'il y avait des esclaves. C'était une autre époque, hein. La démocratie comme on la connaissait dans jadis était possible grâce aux esclaves, ce qui n'est pas le cas maintenant. On te baisait avec amour, Rivière. Mais évidemment, on en revient toujours au hasard, évidemment. C'est comme si moi, je donnais à quelqu'un le pouvoir de modération au hasard sur cette chaîne, ce serait totalement n'importe quoi. Puisque non, ils ne sont pas choisis au hasard, c'est évidemment l'élite qui fait partie de la modération. Alors, est-ce que vous entendez un peu la zikmu? Oui, un peu, c'est bon, ça suffit. Je n'ai encore jamais arrivé, évidemment. Alors, démocratie, on va partir d'une démocratie libre, puisqu'en plus, elle est anonyme. Elle est anonyme via Internet, donc vous savez que sur Internet, c'est là où il y a le plus gros anonymat, c'est d'ailleurs qu'on voit la différence entre un débat qui se passe dans la vraie vie et un débat qui se passe sur Twitter. Hein. En trois phrases sur Twitter, vous êtes traité de dernier gauchias, bobo, extrémiste, raciste de droite, mêlé au communisme. Alors que dans la vraie vie, vous allez faire « Ah bon, d'accord, pourquoi pas, mais c'est intéressant, dis-moi en plus, j'ai envie de savoir ton propos. » Alors que sur Internet, pas du tout. Donc ça a cette chose importante, ce trait important qu'est l'anonymat dans démocratie. Alors vous l'avez entendu dans la présentation, Democracia, c'est la construction d'un robot qui est juste là, qui est... Alors, on va passer un contrat avec le manga d'abord, à savoir que le système qu'ils mettent en place n'est pas du tout adaptable à un monde vrai, à soi réfléchir, parce que leur démocratie est longue à mettre en place. Le simple vote peut durer quelques secondes, et le droïde, lui, enfin l'androïde, le cyborg, l'androïde répond au cas par cas, en fait, il répond directement, alors qu'en vrai, il peut y avoir un débat de plusieurs minutes. Mais on est dans un manga, voilà, comme le dit Léonore, on accepte la réalité, vous passez votre contrat de crédulité, il y a un moment donné, si vous n'acceptez pas ça, il n'y a pas de kiff. Donc, en gros, c'est une démocratie un peu spécifique. Toute la première partie du manga, le tome 1, passe son temps à expliquer comment marche la démocratie.
à savoir qu'on essaye de mettre en avant aussi la minorité. À savoir que le robot va faire, déjà, il va avoir les attraits, il va avoir des expressions faciales en fonction de votre webcam, en fonction des 3000 personnes qui sont sur l'ordinateur. Et il va capter en gros le fait majoritaire. Si les gens sont tristes, bah, le robot sera triste. Donc ça va, c'est assez rapide. Pour le moment, c'est OK. On ne dirait pas que le Seigneur des Anneaux, c'est pas réaliste. Salut, High Wallfire. Tu arrives pile poil, on vient de commencer. Et donc, il y a un système de vote assez particulier, que moi je trouve très intéressant. Quand le robot va. Tout ce qu'il va faire, tout le monde va écrire sur son clavier. Par exemple, si j'étais un robot, on va faire un exemple avec le chat, voilà. Je vous donne pas de choix, c'est vraiment libre. Qu'est-ce que doit faire Rivière maintenant, tout de suite? Allez, répondez le chat, c'est interactif, c'est incroyable. Vous allez voir, c'est pour ça que YouTube, c'est intéressant de venir sur le Twitch. Qu'est-ce que doit faire Rivière maintenant? Péter, d'accord, très bien. Chanter, faire caca, continuer son activité, très bien. Donc imaginons qu'on ait plein de réponses comme ça, que vous êtes 3000. Alors là, on est 10, donc ça va pas non plus mature. Et en fait, les trois réponses les plus données vont être mis au choix, vont être mis au choix des gens, comme un QCM. Et la réponse la moins donnée, par exemple, qui aurait été peut-être, je sais pas, manger un sandwich acheté sans attestation, sera proposée. Donc il y aura les trois choix, les trois trucs libres majoritaires, plus le truc le minoritaire. Et là, par exemple, je vous dirais, bah, si on... conclusion des votes, vous avez le choix entre péter, faire caca, continuer son activité ou aller acheter un sandwich sans attestation. Et là, les gens revotent. Et du coup, les gens se disent, peuvent se dire, bah, en fait, je n'avais pas pensé à la minorité, mais en fait, elle a une meilleure idée que moi. Donc, c'est sur ce système que se base tout le système de cet Android, que je trouve assez intelligent, puisque du coup, on passe le côté je n'ai que 1% au sondage. Mais en effet, le temps que 3000 personnes donnent leurs idées et qu'après on vote sur ce truc-là, ça prend pas 30 secondes, hein. Mais on passe cette chose. En plus, il y en a qui font des LOL, des XD, des PTDR, des Wesh, enfin voilà, des choses comme ça, qui ne votent pas, donc il y a des abstinents, enfin des abstentionnistes, parce que les abstinents, ça n'a rien à voir. Il y a ceux aussi qui viennent pas parce qu'on n'est pas forcément 3000. Il y a ces choses-là qui sont intéressantes. Et du coup, on met ce cyborg-là. Nous sommes des cassos, soyons réalistes. Voilà. Mais ça, justement, c'est une thématique du manga. L'algorithme peut-il être biaisé par les créateurs? Pas du tout. Les créateurs sont justement loin de toute cette expérience. Eux, ils ne font rien. Enfin, cela dit, ils font partie du chat. Mais ils sont à vote équivalent. Eux, ils savent juste où est le cyborg. Et normalement, le tout, c'est que les gens ne savent pas où est le cyborg et ils ne savent pas où il est. Parce qu'il y a tout un processus pour pas qu'ils sachent où il est. Enfin bref, ça, c'est pas intéressant. On est vraiment dans les choses très, 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 très subsidiaires. Et donc, on va laisser ce cyborg-là, dans la ville, vagabonder. Et on va voir ce que fait la démocratie dans un seul être. À savoir qu'on a 3000 intelligences, on a des gens qui viennent de partout, qui ont des diplômes, qui n'ont pas de diplôme, qui ont un truc social. Sinon, comment allez-vous tout le monde? Mais moi, ça va très bien. Y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Ils ont tous une connexion Internet et on s'en fout que ce soit des hommes, des filles qui soient handicapées ou pas. Enfin voilà, ils ont tous le droit de s'exprimer. Et on va voir si ce cyborg fait des choses bien ou mal dans ce monde-là. Alors évidemment, ça serait pas intéressant si il se passait que des trucs sympathiques, mais justement, on va pouvoir se poser des questions sur les dilemmes que peut avoir un humain et du coup le débat qui peut en engendrer. Alors évidemment, c'est biaisé puisque l'auteur, lui, il est tout seul à écrire, donc au final, il crée sa démocratie tout seul. Mais il y a cette mise en scène du débat qui est intéressant et on va le voir justement dans les planches du manga qui sont intéressantes par ce biais-là. Puisque vous allez voir, vous allez vite comprendre. Normalement, moi je trouve justement que qu'il y a des soucis de mise en scène très intéressants. Alors, vous voyez, là on va dire que là on essaye de créer la personne parfaite, mais qui sont les créateurs? C'était dans la présentation, très cher. Si tu avais suivi que ce sont des étudiants en ingénierie et en informatique, voilà, il fallait suivre la présentation, Cyanodette.
Donc ça se présente comme ça. Alors, au style de dessin, déjà on va parler du truc qui choque, qui ne choque pas justement, mais les Asiatiques sont bridés dans ce manga, c'est vraiment incroyable. Salut Tetou! Les Asiatiques sont bridés dans ce manga-là, je sais, vous n'êtes pas habitués, mais justement, ça en fait quelque chose de sympathique à voir. Et on a un style. Ah voilà, ça que je voulais vous montrer. Quand les gens débattent, ils n'ont pas de yeux. En fait, on va mettre le cloud là où ils votent, un peu dans ce truc-là. Ils ont quand même des coupes de cheveux, mais ils n'ont pas de regard, ce qui les anonymise. Mais dès qu'il y en a un qui se met en avant, le mangaka décide justement de dessiner les yeux et un visage beaucoup plus net et moins justement clair, beaucoup plus prononcé. Parce qu'à partir du moment où, certes, on est dans la masse à 3000, on ne nous voit pas. On ne nous imagine pas vraiment, mais à partir du moment où tu ouvres plus ta gueule qu'un autre, ton visage, que tu le veuilles ou non, est plus ou moins représenté. Et du coup, c'est là qu'arrive tout ce problème de l'anonymat, qui n'existe pas vraiment, puisque en effet, il faut des chefs de parti, des gens qui donnent leur avis. Il y en a qui vont plus être acerbes, il y en a qui vont être plus, qui vont rien dire, qui vont subir le débat, qui vont juste voter. Il y en a qui veulent imposer leurs idées, il y en a qui vont juste conseiller. Et en fait, on va voir des groupes se former, donc des mini-héros de la démocratie face à des ennemis de la démocratie. Et comment on peut juger une idée qui nous paraît dégueulasse? Parce que c'est pas parce que l'idée est dégueulasse que, il ne faut pas l'écouter. Et il peut y avoir justement des réactions à ça qui engendrent justement des comportements extrémistes. Et c'est là que le manga est intéressant, c'est que certes, il y a un gars qui est un peu extrême, et bah si on le montre du doigt, il peut devenir encore plus extrémiste derrière et entraîner une minorité silencieuse qui, elle, va ouvrir sa gueule et paf, pipi, paf, pouf. Donc là, c'est intéressant. Mais oui, je suis à l'aise. En effet, c'est important. Donc voici l'androïde, Maï, écrit, santé, bon appétit. Oui, faut boire, faut boire. Wizbot nous dit de boire de l'eau, on boit de l'eau. On peut créer des chefs dans le chat. On ne peut pas créer des chefs, mais par le fait qu'ils se mettent en avant, les gens commencent à les reconnaître. Genre ici, dans notre chat actuel, Léonore, elle est reconnue de tous. Elle n'est chef de rien. Mais elle est reconnue dans le chat. Alors vous êtes une quinzaine, donc vous savez que vous reconnaissez tous entre vous. Mais il y a des figures. Il n'y a que Mikey Mai, évidemment. Il y a des figures qui sont mises en avant de fait, en fait. Donc voici les planches, c'est incroyable. Alors, le dessin, il a quelque chose de très spécifique, à savoir que les personnages, donc, je l'ai dit, sont asiatiques, et ça se voit pour une fois, je trouve ça cool. Mais, hop, il y a un souci dans les décors d'être photoréaliste, et parfois ça marche peu, et parfois ça marche bien. Il y avait ce côté-là dans les dessins de David Mourier, c'est-à-dire que l'auteur a sûrement pris des photos, voilà, là ça se voit. Ici, il prend des photos et il les grise et il ajoute des accessoires derrière. Donc c'est un travail numérique qui est propre à lui. D'ailleurs, là, les phares là, les phares ici ne sont pas dessinés, ça se voit. Ils sont pris en photo, numérisés et juste appliqués. Ça donne une ambiance au dessin qui se veut réaliste et aussi une économie de moyens. Moi, je ne suis pas fan de ces décors comme ça, mais j'aime beaucoup son dessin de character design parce que je les ai vus nulle part, des dessins comme ça. Assez simple, mais aussi qui ressemble un peu à ce qui se passe dans la réalité. Je dois y aller, je vous laisse. Bonne soirée pizza, ne t'inquiète pas. Des gros bisous. Donc, il y a ça qui est à mettre en avant pour le manga. Donc, on va passer évidemment en mode débat. Hein. Moi, il y avait donc ce souci-là d'anonymiser les gens qui est intéressant. Et il va y avoir aussi cette confrontation entre les créateurs qui, eux, veulent faire une expérience précise du truc, enfin, ils se disent qu'est-ce que ça va donner, et les utilisateurs qui, eux, on n'a rien à branler de l'expérience. À savoir qu'en fait, il va y avoir trois niveaux de lecture. Trois, je fais ça avec les mains. Trois niveaux de lecture, à savoir le premier c'est Maï, on va voir du coup toutes les répercussions de l'expérience, donc on va voir vive Maï, et il y a des choses intéressantes, à savoir qu'au début Maï on va avoir un peu une réticence à la considérer comme un personnage, et puis après on va la considérer comme un personnage unique, ou pas,
en fonction de vos lectures, enfin en fonction de vous déjà. Mais moi, je l'ai considéré comme un personnage qui existe, comme un véritable humain. Je me suis pas dit que c'était un robot. Je suis en train de créer un manga avec un pote qui s'appellera Akagure, le manga, pas mon pote. Ça parlera d'un ado dont les parents très riches ont contribué à un projet scientifique pour créer des surhommes, mais certains sont révoltés et vivent dans les capacités surhumaines. Certains de ceux-là forment un groupe d'assassins appelé. On pourra le commenter. Alors évidemment, c'est amateur, donc faut. Voilà. Pour le moment, ça a l'air assez classique. Mais on parle de démocratie. Hein. Donc Mai, qui pour moi a été plus une humaine sur le milieu du manga, et à la fin, donc pas de spoil, mais moi je n'ai plus considéré le personnage comme un humain. En fonction de ses choix, en fonction de ce que faisait la démocratie, j'avais plus l'impression de voir un humain, une machine, un outil, un esclave, un instrument, une arme, enfin voilà, ça peut être plein de choses à la fois. Et donc là aussi, il y a cette chose intéressante. Il y a un bot qui apprenait et tweetait selon ce qu'on lui disait, les internautes, c'était un bordel. Oui, le robot est devenu extrémiste. Alors là, tu vois, tu touches un point qui arrive. On parle de l'intelligence artificielle, parce que là, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le manga en parle succinctement, parce qu'il n'a pas le temps d'en parler trop, mais dans les derniers tomes, il parle de l'intelligence artificielle. Democracia, Mai n'est pas une intelligence artificielle, puisqu'elle est toujours soumise à des débats d'humains qui existent, alors qu'une intelligence artificielle va prendre des banques de données et elle va les analyser toute seule avec des calculs. Vous vous rendez pas compte à quel point votre cerveau est incroyablement bien fait, en fait. Il est vraiment il fait des calculs qu'un robot peut pas faire, une personne handicapée qui a des soucis de moteur, et il a un cerveau tellement fou. C'est une poupée, elle décide de rien, elle ne décide de rien. Si on lui dit de dire stop, elle fait stop. Elle ne bouge pas. C'est toujours, toutes les actions qu'elle fait sont dictées par la démocratie. C'est pour ça que le système ne marche pas dans la vraie vie, puisqu'on ne peut pas faire des votes pour tout et rien. Marche, tourne à droite, tourne à gauche. Non, j'en ai pas, moi. Faudra dépenser vos points de chaîne pour créer une commande rivière. Après, bon, vous voyez ma gueule, c'est pas mal. Ça doit être trop lol nu. mais du coup, voilà, il y a ce côté-là avec Mai, où on va voir, elle va être soumise à des dilemmes. On va voir tout le côté débat avec les internautes. Et le manga va s'intéresser à qui ils sont dès qu'ils s'anonymisent plus. On va voir que certaines personnes prennent des décisions en fonction de leur vécu, d'autres qui vont essayer d'enlever leur vécu. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et on va voir les deux créateurs qui, eux, veulent que l'expérience passe bien, mais qu'elle se passe un peu comme eux, ils le pensaient. Donc il y a ces choses-là qui ils doivent pas interférer avec l'expérience, mais si l'expérience va trop loin, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc voilà, il y a ces choses-là qui sont intéressantes dans le manga, qui portent à réflexion, qui ont envie de vous mettre à débat. Alors des fois, il y a un peu de débat un peu relou, des fois, le rythme... il faut que les commandes soient créées, c'est tout. Il faut que... Le rythme, il y a parfois des soucis de rythme, à savoir que... alors YouTube, ça va bien, ils le diront dans les commentaires. Des fois, il y a des soucis moraux qui sont un peu longs. Parfois, la démocratie pense avoir une solution, mais en fait, une individualité avec qui ils sont en opposition va leur dire « Oui, mais mon vécu, c'est pas ça, vous êtes nul. » La démocratie, je m'en fous. Enfin, mais ils savent pas que c'est un androïde. Mais la démocratie parfois va arriver devant des barrages de positions. Ils veulent changer d'avis quelqu'un. Toute une démocratie va essayer de faire changer l'avis de quelqu'un. Mais la personne n'a pas envie, en fait. Elle décide de faire ça. Et puis donc on se pose la question, est-ce que la démocratie doit se dire « Oui, mais le monde, la démocratie veut que vous fassiez ça, donc faites-le, vu qu'on est plusieurs à le penser. » Mais est-ce que l'individualité de la personne qui, elle, a sa vie en jeu peut dire bah oui, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux, t'as beau penser ça, j'en ai rien à branler, si j'ai envie de pisser du haut d'un pont, je le fais, même si c'est dangereux. Petite graphique sur la prochaine. Ah oui, d'accord. Je sais. Bah, on faudra voir. Alors, il faut faire un résumé plus court pour un manga. Pourvu qu'un groupe décide de faire tuer quelqu'un par l'intermédiaire de Mai, c'est possible? Je ne sais pas. Est-ce que la démocratie pourrait le faire?
Est-ce que dans notre pays, on a déjà vu, au nom de la démocratie et de certaines lois que la démocratie a créées, est-ce qu'il y a eu la peine de mort? Je ne sais pas. c'est là qu'arrivent les choses intéressantes. Après, sur le style graphique qui se rapproche un peu de Death Note, faut pas trop, Wallfire, donner des indications comme ça, parce que Death Note, c'est Takeshi Oba et Obata. On va dire que c'est le gratin du shonen. Donc voilà. Eh bien, Léonore, si tu avais suivi la présentation, c'était en 5 tomes. Merci, Cyanodèle. Terminé. Alors, moi, j'ai senti quand même que... il y avait... Ça sera entre le manga et le réaliste. Death Note, c'est pas du tout réaliste. Si tu veux du manga réaliste... c'est très manga. C'est juste que les décors, oui, mais les décors en général dans les mangas sont réalistes. Mais en termes de réaliste, le trait de Oba et Obata n'est pas... il est précis, on va dire. Mais là, ce n'est pas le débat. On parle d'un autre manga. Oui, je disais que on sent que... Bien sûr, Cyanodèle. On sent que... L'auteur voulait peut-être un tome de plus, parce que déjà le tome 5 est un peu plus long que les autres. Il est un peu plus gros, il a un chapitre ou deux plus long. Enfin, il a 50 pages en plus. Et on sent qu'il est un peu rushé. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a vu à peu près le propos se faire. Et il y a une fin cliffhanger qui, je trouve, est de trop. C'est vraiment la planche de fin pour faire... Tintintin. Enfin, vraiment, c'est vraiment le truc où tu... Le manga n'avait pas besoin de ça. Il y a des conséquences à tout ce qui s'est passé. Ça va. Même si on est un peu dans un happy end doux amer. Mais en fait, la réalisation du manga vous dit que ça va. Mais on vous dit que ça va pas. Enfin, bon. Je dis pas. Hein, c'est. Y a aucun truc. Mais la dernière planche. Alors, moi, j'ai demandé à une amie. J'ai demandé à Edge. Qu'est-ce qu'elle en pensait, parce qu'elle avait lu le manga. Elle m'a dit qu'elle avait adoré la fin. Enfin, qu'elle avait kiffé. Adoré, c'est peut-être too much. Et moi, je dis, ouais, enfin bon... c'est un peu... c'est parce qu'on avait envie de mettre une fin comme ça, quoi. Moi, j'ai que du Dragon Ball ou Naruto. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et un CNN dans un monde réaliste, Naruto sont des mondes fictifs. Voilà, c'est ça. Et puis, le trait n'a rien à voir. Et puis, c'est le... Death Note, c'est réaliste parce que c'est dans un monde réaliste. Aussi. Et voilà, j'en ai terminé avec Democracia, je crois. On est à 24 minutes, ça va. Moi, je vous conseille évidemment Democracia parce que bon, ça se lit vite. C'est 5 tomes, c'est encore disponible. Si vous aimez Democracia, je ne vous conseille que trop Ikigami. Alors, manga que je ne vous parlerai pas. En vrai, il me hype de ouf ce manga. Bah, parfait, Colette. Tu m'envoies ravi. Je suis content que quelqu'un aime les avis. Je vous conseille pas Ikigami là. Évidemment, lisez Ikigami, c'est encore mieux. Je préfère Ikigami à Democracia, mais on est vraiment sur deux mangas qui... on sent que c'est le même auteur. Ikigami, je ne vous le présente pas. Aussi, la préquelle... C'est pas la préquelle. C'est pas une préquelle. Tu ne sais pas ce qu'est une préquelle. Et parce que en fait sur l'atelier on en avait déjà parlé, donc je vous envoie vers la chaîne l'atelier QRB. Ici le one shot que je t'ai vendu. Non, c'est pas une préquelle, c'est pas dans le même monde, c'est différent. C'est pas une préquelle. Une préquelle, c'est vraiment un truc avant l'histoire qui va vous mettre l'eau à la bouche. C'est comme Wanted de One Piece. Tu vas pas me dire que Wanted c'est la préquelle de One Piece. Non, c'est le court métrage qui a donné l'idée à... Rien à voir. Prenez mon argent, je veux lire ce manga. Bah parfait. Imaginez que ce chat ait la possibilité de faire comme dans Democracia. Ah bah ça foutrait le bordel. Mais c'est pour ça que je ne veux pas. Voilà. Je pourrais vous parler de ce manga qui est d'ailleurs qui est plutôt un recueil parce qu'il y a plusieurs histoires dans ce truc-là. Ce n'est pas une préquelle. Non. Il y a un moment donné, faut pas déconner. Donc voilà YouTube, je te laisse tranquille YouTube, et nous allons enchaîner avec du Animal Crossing. Mes partenaires sont chauds vers minuit, pourquoi pas faire l'équipe de nuit.
Mais pas trop tard, comme ça on se lève tôt demain matin. En plus, Colette a réussi à se refixer parfaitement, donc on va pas l'emmerder. Bah YouTube, des bisous sur vos genoux, évidemment. C'est la dictature sur ce chat, tout à fait, tout à fait. Et je vous dis des bisous YouTube, on se revoit bientôt. La semaine prochaine ou dans 15 jours, en fonction du confinement et des idées que j'ai, parce que je n'ai plus de nouveautés sous la main, ou des nouveautés un peu... pas ouf. Donc j'ai pas envie de vous les présenter. J'aime perdre mon libre arbitre. Allez, des bisous, on enchaîne. Allez, ciao ciao. Des bisous.